Ben, on a attendu longtemps avant de pouvoir prendre les 3 points. On a attendu la 90e minute pour marquer le goal. Je crois qu'on méritait de marquer le goal plus vite et plus qu'un goal. Donc, on s'est fait un peu peur, mais je crois qu'on a fait le travail qu'on devait contre une équipe qui est très bien organisée, qui a la meilleure défense du championnat. Donc, c'est un bon résultat. Ik denk dat wij de hele wedstrijd beter zijn geweest. We zijn de baas geweest. Ze hebben vrij weinig kansen gecreëerd. Wij hebben heel veel kansen gecreëerd. Ik denk dat dat het spelbeeld was. We waren gewoon de baas hier vandaag. Alleen het scoren ontbrak. En dan scoor je in de laatste minuut en dan win je alsnog. Dus dat is een heerlijk gevoel. Oui, bien sûr. Les derniers résultats sont évidemment très positifs. Allez, je crois qu'on ne peut pas commencer la préparation de ce match-là avec plus de confiance qu'on l'a pour le moment parce que les prestations sont bonnes, la qualité est bonne et les résultats sont là. Donc, on va très confiant pour mercredi, mais pas être trop naïf parce que c'est Milan en face et c'est un match très difficile. Ja, heel veel vertrouwen. Ik bedoel, hoe wij de afgelopen weken voetballen, dan denk ik dat daar het vertrouwen ook. We stralen het gewoon uit, denk ik. Kijk, vandaag stralen we ook vertrouwen uit. Alleen we moeten scoren, dat doen we dan niet. En dan wordt het een beetje slordig en dan verliezen we iets sneller de bal. Maar oké, je wint de wedstrijd. Dus dan heb je nog meer vertrouwen misschien naar de wedstrijd van woensdag. Là, on est en confiance. Mais bon, faut pas oublier que le Milan AC reste le Milan AC. C'est une grande équipe. C'est une équipe qui a de l'expérience. Et nous, on ne doit pas se dire ouais, que Milan qu'on va aller gagner maintenant. Maintenant, il faut se dire que c'est un match important. Que si on gagne ce match, on peut passer l'hiver en Europe. Donc maintenant, on va bien se préparer, bien récupérer pour essayer de prendre ces 3 points qui seront importants pour nous.